Aussi, nous avons noté depuis l'ordination et la consécration aux yeux des premiers prêtres et religieuses de nos contrées une nette augmentation de vocation venant de nos communautés respectives. Il demeure toutefois urgent de continuer à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses et à les promouvoir au sein de nos familles. Nous avons choisi naturellement ce sanctuaire qui nous est cher et qui est situé au milieu d'un village Mankagne, Temento, pour implorer la bénédiction du Seigneur sur un tel projet. À lui, maître du temps et de l'histoire, nous élevons nos cœurs en action de grâce, car il nous a permis dans sa bienveillance d'être unis ensemble en ce jour. Notre venue en ce lieu n'est que l'aboutissement bienveillant d'un long pèlerinage et d'une campagne d'évangélisation à l'intérieur de notre pays, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, qui nous a permis de célébrer les retrouvailles entre les différentes communautés mankani implantées dans ces localités. Ici à Temento, le cœur reconnaissant, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont permis la consécration de tes rencontres fraternelles et nous ont confié dans l'idée, dans l'essai de travailler à l'unité du peuple mankani, dans toutes ses composantes, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ et de l'Église universelle. Ici à Temento, le cœur confiant, nous voulons traduire notre reconnaissance à nos pères évêques, Mgr Jean-Pierre Bassin et Mgr Paul Abel Mamba, avec le Zien Chon, qui ont compris la vraie motivation de ce pèlerinage, bien loin de toute idée communautariste et exclusiviste, nous ont donné leur bénédiction et nous ont assuré de leur prière. Ici en Temento, le cœur reconnaissant, nous voulons aussi traduire notre reconnaissance à tous ceux et celles qui ont permis, à travers leur contribution et leur implication, de relever le défi lié à l'organisation. Puissent-ils recevoir en retour le centuple et que le Seigneur les comble à la mesure de leur générosité. Le rassemblement du peuple mankani, en provenance de Gambie, de Guinée-Bissau, de toutes les villes du Sénégal, de toutes les régions du Sénégal, ici, en dit long. C'est un rassemblement autour du Christ et au nom de votre foi chrétienne. C'est extraordinaire. Et puis cela se continue, s'amplifier, pour que dans les années à venir, ce soit des mankani des États-Unis, de France, de partout, qui, au courant justement de ce grand rassemblement, viennent en délégation pour prier le Seigneur, accueillir Jésus-Christ présent dans vos vies, dans vos cultures, dans votre culture. Puisse la Vierge Marie, comme une étoile, vous conduire toujours vers son Fils, Jésus-Christ. Vous aurez beaucoup à y apprendre. Vous allez voir la beauté dans toute son ampleur, des valeurs que le Seigneur a enfouies dans votre culture. Je voudrais que les agents pastoraux, fruits de votre foi chrétienne, qui sont ici présents, se lèvent. Je commence par les sœurs, les jeunes filles de Jésus-Christ, de Dieu comme la... Mes sœurs, elle porte à merveille, jusqu'à la consécration au Seigneur, la grâce de la femme mankani. Anoumbaran. Les prêtres et les religieux mankani ici présents, vos fils, que vous avez offerts au Seigneur, qui sont consacrés pour être des Moïse, de nouveau Christ pour guider son peuple. Et vous en particulier, les prêtres mankani. Aussi bien les religieuses que les prêtres, c'est l'offrande de Abel au Seigneur.
qui a pris du meilleur de son fruit, le fruit de son travail, qui a offert au Seigneur, à nos barangues. Il y a encore d'autres qui sont en pépinière, dans les maisons de formation, chez les religieuses, chez les religieux, au séminaire. Priez, prions pour que cette pépinière grandisse et porte beaucoup de fruits. L'Église a besoin de l'apport du peuple malgré. L'Église de Kolda en particulier a besoin vraiment de vos bras, de votre cœur, de tout votre être pour se construire. C'est déjà une réalité chez nous à Kolda. Je ne vous dis pas combien de prêtres manquent, combien de séminaires j'ai. En tout cas, sachez que c'est le plus grand pourcentage. Et j'en suis fier. Et je vous remercie. Je remercie les prophètes que sont les organisateurs, les initiateurs de Koupoumen. Depuis Samuel Kouka jusqu'à aujourd'hui, Kamfani et Dominique, et tous ceux qui travaillent avec eux, avec vous. C'est vraiment une prophétie. Puisse le Seigneur vous bénir. Toujours. Ayez le courage nécessaire, la force nécessaire, parce que convaincu que c'est Dieu qui a voulu cela pour avancer. Ayez le courage des prophètes. Ayez le courage de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci. Avant tout propos, je dois rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Alors, pour parler de la première édition, je dirais largement que nos objectifs sont atteints. Alors, depuis quelques mois, nous avons commencé à faire des tournées au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes tablés sur plus de 1000 personnes. Et vraiment, Dieu merci que l'événement a réussi. Alors, l'historique de Nganta, je pense que vous avez déjà entendu. L'idée était née à Sédiou, lors de l'ordination des jeunes prêtres Mankagne, qui sont au nombre de deux. Alors, le conseil que les gens ont vu, que il y a les vocations qui sont là. Et par faute de moyens, voilà, les jeunes n'aboutissent pas justement à la fin. Alors les gens, on s'était dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place un sous-comité qui va justement venir appuyer ces jeunes-là. Mais avant de commencer toute chose, je pense qu'il est bon de confier ça au maître de la vie, celui qui est Dieu, avant de démarrer le projet. C'est pourquoi nous avons organisé la première édition du pèlerinage. Il faut le dire, le choix de Tementu, il n'est pas fortuit. Parce que l'évêque l'a dit tout à l'heure dans son homélie, le sanctuaire de Tementu est un village pratiquement, je dirais, Mankagne. Donc, comme il y a un sanctuaire à Tementu, nous avons jugé nécessaire, au lieu de nous déplacer juste pour le moment au niveau des autres localités un peu lointaines, nous avons pensé quand même pour cette première édition, et surtout que c'est le premier pèlerinage de la communauté, nous avons choisi vraiment revenir d'abord nous ressourcer chez nous, avant maintenant de nous ouvrir. Parce que n'oublions pas que le feu président Léopold Sédar disait qu'on doit s'enraciner avant de s'ouvrir. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le sanctuaire qui est en milieu dans un village type Mankagne. Maintenant, ça nous permettra peut-être pour des éditions à venir de nous ouvrir à d'autres sanctuaires. Voilà la pertinence du choix.